J'ai voulu parler du personnage de Camille et lui écrire une autre histoire parce que Camille est une héroïne de Corneille. Dans la pièce de Corneille, elle meurt sous les coups de son frère parce qu'elle refuse de lui obéir. Et moi, ça m'a profondément révoltée. Depuis toujours, ça me révolte, cette histoire. Elle représente toutes les histoires de femmes victimes. Et donc, j'ai décidé de la faire vivre. Et dans le même temps, j'avais envie de travailler sur les femmes dans l'exil. Donc, j'ai imaginé que Camille prenait la fuite et qu'elle n'était pas morte. Couvrons bien nos visages et emmenons des vivres. Donnons à notre vie une chance qu'elle nous délivre. Ainsi couvertes, nous passerons pour des hommes. Rien ne doit nous trahir ni montrer qui nous sommes. Travaillons sans faillir, là commence notre feinte. Nous franchirons bientôt cette alignante enceinte. Quand j'ai pris connaissance du texte, au premier confinement, Sophie m'a montré le texte et ça a été pour moi tout de suite une pièce très très forte. Ça m'a tout de suite fait penser à la prose, la recherche du temps perdu de Proust, où on a une prose qui est très debussiste. Là, on avait une prose qui était très musique électronique et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Quelle faute ai-je commise pour voir ainsi la guerre jusque dans mes entrailles, répandre sa misère? Quel crime est donc mon crime pour voir toute ma vie fracassée comme le verre par ma propre patrie? Sur scène, il y a Camille, Sabine et Julie. Elles ont fui la guerre de Rome et d'Albe. Elles se retrouvent asservies à une frontière dans une usine de textile. Mais elles vont réussir à s'unir, à penser à un avenir et à prendre en main leur destin. Ces valeurs sont en nous. La fidélité, la foi en nous-mêmes, en nos propres actes, la loyauté. Ce que j'ai voulu dire à travers cette pièce, c'est que les femmes sont les chefs de leur propre destin et que ce qu'on ne leur donne pas, elles peuvent le prendre. Alors dans Camille Phénix, j'utilise en plus du saxophone, donc un instrument classique, j'utilise le silfio, cet instrument, qui est un instrument avant électronique, qui est en fait comme un instrument avant traditionnel, mais au lieu d'avoir un son naturel, il a un son qui est produit par une synthèse numérique. Et on peut moduler les sons et changer les sons à volonté. C'est assez stupéfiant comme son, et je vous invite à le découvrir sur scène. Cette pièce est une pièce tout public à partir de 14 ans. J'interviens aussi auprès des lycéens et des collégiens pour les introduire au monde de la tragédie, mais aussi pour aborder des sujets d'actualité comme le droit des femmes et les réfugiés.